Alors voilà l'artiste dont je vous parlais, Yuri Keki, 20 ans maintenant et 5 années au sommet des anneaux. Ce qu'il réalise est assez exceptionnel dans le domaine de la force. Dans le domaine de la force, c'est aussi un petit passage original que l'on notera. On va le voir, c'est un temps de ventre avec salto avant dans les anneaux. Une spécialité de Yuri Keki, mais surtout et avant tout beaucoup de force. 1m61, c'est le plus petit ou l'un des plus petits gymnastes du monde, mais lorsqu'il monte accroché à ses anneaux, il devient grand. L'originalité se passe dans l'entrée. Voilà, temps de ventre, salto avant et planche libre. Qu'il remonte. Et jusqu'à l'équilibre. Fort, très très fort. Et croix de fer renversée, enchaînée. Vous voyez, sa croix est certainement la plus belle croix renversée au monde, puisque lui, il réussit à placer les épaules parfaitement au niveau des anneaux. Ah, Bercy s'enflamme. Ah, c'est sûr qu'un artiste de cette envergure-là, ça fait de la bonne pub pour la gym. Et attention à la sortie. Et maintenant, double tendu. Oh, toujours pile chute, pas de prise de risque sur cette sortie. Il assure son mouvement au niveau des forces. Juste une partie d'élan, un seul soleil dans le mouvement. Une sortie double tendue parfaite que l'on ne peut pas pénaliser, aucune faute d'exécution. Et voilà comment on assure un titre mondial ou un titre européen. Probablement en route en ce qui concerne jusqu'au titre olympique à Atlanta. Et ça serait bien qu'il soit médaille d'or à Atlanta, parce qu'aux Jeux olympiques de Barcelone, on a vu Yuri Keki errer dans ce palais des sports avec des béquilles. Un tendon d'Achille l'a handicapé, il a été opéré. Et malheureusement pour lui, eh bien, les Jeux de Barcelone, il les a vus des tribunes.